Je te le donne. Ah, c'est gentil. Pour que... merci. Toi, t'aimes ça, ben ça va. Moi, j'adore les. Tu fais un blocage? Ouais. Ah! Chers camarades gilets jaunes, en ce 8 mai, jour de l'armistice, vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous êtes dehors, comme les 132 derniers samedis, bravo à vous. Moi, je suis impressionné par votre détermination, par votre courage, parce que tout ce qui se passe là, que les gilets jaunes ils sont encore dans la rue, c'est grâce à des gens comme vous. Hein. Voilà, c'est grâce à des gens comme vous qui êtes toujours sur le terrain, chaque semaine, semaine après semaine. On a une petite délégation aujourd'hui avant le départ de SOS Colombie. On va leur donner un petit peu la parole avant la marche pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qui se passe dans leur pays. Parce que c'est un peu le même combat que le nôtre. Ils se battent pour eux. Les salaires plus élevés. On va un petit peu vous expliquer un peu ce qui se passe dans leur pays. C'est Colombie.
On se jantille. Emmanuel Macron, on t'a pas de con, on vient te chercher chez toi. On t'a pas de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on t'a pas de con, on vient te chercher chez toi. Thank you.
Woo!
chez nous. C'est un combat pour la vérité, un combat pour la lumière. Le combat est juste. Les prochains, c'est vous. C'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est thank you.